Allez, allez, donc, re à tous. Donc, on se retrouve donc après cette petite démo de Resident Evil 7. Donc, j'espère que cette petite démo vous a plu. Parce que moi, franchement, elle m'a plu quand même, hein, clairement. Donc, on va pas revenir sur ça parce que on va aller jouer un peu à Thales of Zestiria, bien sûr. Donc, du coup, n'hésitez pas, ceux qui sont sur le live, hein, de rejoindre le chat, hein, ce serait sympathique. Faire ma connaissance et vers votre connaissance aussi, du coup. Et si vous avez des questions, etc., donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc, voilà. Donc du coup c'est parti, hop, on va mettre le jeu tout de suite. Tac et tac. Voilà, tranquillou. Donc j'espère que les titres se sont bien actualisés parce que normalement j'ai fait hein, du coup. Parce que du coup je vais pas faire de la publicité mensongère, hein. Là c'est plus Resident Evil 7. Mais du coup ouais, la démo n'était pas quand même longue, hein. Elle était pas ouf, hein, clairement. Je m'attendais à mieux, hein. Je m'attendais à mieux. Alors donc du coup capture du jeu, tac tac, on va mettre le jeu du coup. Hop, voilà. Bah voilà, c'est magique, putain, la magie du stream, c'est ça les gens, et oui, c'est ça. Alors, du coup, hop, la petite sauvegarde automatique. Enfin, la sauvegarde automatique. La sauvegarde manuelle, on va appeler plutôt ça. Ok, donc du coup, on se retrouve avec notre petite tête de grenouille, et oui, la bogosse attitude, c'est ça, hein, c'est la petite barbichette, la petite pipe dans la bouche, et ensuite après, on a tout simplement la petite grenouille sur la tête, et oui, c'est ça qui fait notre swag absolu, on va dire, en quelque sorte. Alors, donc du coup, on était arrivé à un endroit de l'aventure où on avait fait des petites découvertes, etc. On est tout simplement à la recherche des iris, hein, donc qui s'appellent aussi les annales de la Terre. Et oui, c'est pas un truc pervers, c'est pas les annales 1, ok? Donc du coup, il faut retourner à Dame du Lac parce que, à ce qui paraît, il y a quelque chose qui me manque là-bas. Donc du coup, l'objectif, ça va de faire 10 000 tours, voilà. Ça va faire tour, 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 tour et encore des tours jusqu'à temps de trouver ce putain d'objectif de merde parce que ce jeu-là, c'est tout simplement. Tu te démerdes et tu cherches l'objectif. Voilà, c'est simple. Ils te donnent une indication, ils disent, oh, c'est là, c'est quelque part en France, clairement, et tu cherches. Allez, hop, 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 c'est parti, on cherche. Donc, allez, c'est parti, on y va. Ok, on avait appris qu'un prêtre avait réussi et faisait des assassinats comme ça au KLM, hein, dans le plus grand des calmes, bien sûr. Le mec qui avait pas le temps. Un fantôme au village d'abandonné, nanana. Donc, ça, on l'avait fait, les fantômes, bien sûr. Hein, c'était vieux fantôme niveau 24 à la con, là. Franchement, ça valait même pas la peine. Ok, donc c'est parti, donc alors à la recherche de quelqu'un, alors toi, voici nanan, je répondrai en honneur immense, ok. Donc là, il n'y a rien. Ok, donc en fait, il faudrait trouver... Ouais, faudrait trouver quelqu'un en fait, là. Clairement, il faudrait trouver quelqu'un qui me donne une quête. Ok, donc là, il n'y a rien. Donc du coup, on va aller vers le quartier pauvre pour en commencer, hein. Clairement, on va commencer quelque part, hein, bien sûr. Ok. Donc non, il n'y a personne. Donc on va essayer de trouver, hein. Alors est-ce que du coup elle s'est déverrouillée au moment que j'ai déverrouillé l'ancienne? Ah bah déjà là il y a une quête qui était pas là avant. Ah c'est le sale gosse encore, ok. Hola, Bose. Sugi wa kore o yado made da. Chi. Ah. Omae ra no sei de konna. Totto to shinai ka. Bon, on peut sentir la rage de ce gosse, hein, clairement, il y a la rage, parce qu'en fait on l'avait enfermé. Ouais, Sorei-san, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ma chérie là? Elle a pas dit. Elle a pas continué, hein. Elle avait pas le temps. Alors du coup on va aller voir maintenant ben, vers le quartier peut-être de la noblesse ou un truc du genre. Donc je pense qu'il va falloir suivre ce gosse là, hein, voir si s'il n'y a pas un truc à débloquer. Donc du coup on doit refaire le tour bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Alors du coup, tac tac, on va essayer de prendre un boost de vitesse, ok. Donc du coup on va aller voir tout simplement dans l'église pour voir au cas où. Donc c'est parti, on y va. Alors dans l'église, il y a l'air d'avoir que dalle. Ok, on ressort direct, hein, cash. Donc du coup, on va aller dans les quartiers nobles, donc dans les quartiers riches du coup. Donc c'est parti. Ok, donc là il y a une étoile, c'est cool, donc c'est là-bas. Ok, donc en fait c'est près de notre ami Alisha. D'accord. Bah notre chérie ou notre ami, hein, c'est comme vous voulez, hein, c'est au choix bien sûr.
Ah? Konnichiwa, Arisha imasuka? Dochira sama deshou? Sono hirei wa Tokyo o bunketa nadotte no koto desu ka? Gomen nasai. Srei tte imasu. Srei sama? Shitsurei shimashita. Itsumo hime sama kara ukagatte imasu. Ainiku hime sama wa dekakerarete ite itsu modorareru ka? Shigoto? Ee. Lawrence ni joufou o nagashiteiru mono o otte orareru yō desu. Tashikani spy ga umoiteru wa yo ne. 進行のタイミングを考えると。ええ、アリーシャさんにも容疑がかけられたほどですし。けど、そんなことまでするんだ、ハイランドのお姫様って。いえ、本来は憲兵隊の仕事なのですが、個人で動かれているのです。両国の衝突を引き起こす要素は排除せねばと。すごいけど、真面目すぎじゃない？グレイブガントの戦い以来、 さらに無理をなさるようになって。アリーシャらしいけど。心配ですわ。あの方は一人で無茶をされますから。少し前も始まりの村カムランを調べると言ってアロダイトの森に入られたり。始まりの村カムラン？そこから最悪の時代が始まったっていう村だよね。場所もよくわかんない伝説だけど。はい。 アロダイトの森の奥に手がかりがあるという噂を聞いて向かわれたのです。それでアリーシャはイズチに来たのか。けど見当違いだったね。じいじたちから始まりの村の話なんて聞いたこともないし。ああ、だよな。じゃあ俺はこれでアリーシャにまた来るって伝えておいてください。 Ok, donc du coup. Du coup, elle est partie où cette coquille là? Donc du coup, il y a un point qui est apparu là-bas, donc on va aller voir ce que c'est. Alors, le logo de Marlene a dû jouer des coudes. Hein? Ce logo? Marvin a dû jouer des coudes pour s'attirer les bonnes grâces du conseil. Depuis qu'on parle de guerre, il décroche de gros contrats à gauche et à droite, réparation du pont, approvisionnement des troupes. J'espère qu'il ne s'essoufflera pas sous le poids de ses gueules. Ouais, donc en gros de ses gueules de pont. Ok, ok. Bah du coup, on doit retrouver peut-être Alisha. Hein, c'est peut-être ça la quête. Je vois que ça, hein, clairement. Donc du coup, là, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'objectif. Donc du coup on va se mettre en route vers la forêt arrondie parce que j'ai compris ça. Donc on va aller voir. Ah tiens, il y a un point ici. Ce marchand m'a l'air étrangement prospère, c'est louche. Ouais, moi aussi je trouve ça louche mon grand. Ok, donc là ça dégage. Tac tac tac, donc là il n'y a rien. D'accord, au moins on profite du speedac hein, bien sûr. Hein. Touk, 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 touk. Donc là... Ouais, donc là il parle encore des fantômes de merde, on s'en bat les reins. Ok, bah du coup c'est parti, hein, on y va. Donc du coup pour ceux qui sont ratés les épisodes d'hier, tout simplement on a découvert enfin la clé d'or, bien sûr, hein, la clé d'or du chevalier Zodiac. Non je déconne. Donc on a découvert la clé d'or. Et donc du coup la forêt arrondie c'est là-bas. Donc en plus on avait été hier hein, en cherchant un but à notre vie, à notre histoire, etc. Donc du coup on avait retrouvé papy et tout. Donc du coup, bah, on va devoir y retourner, hein, bien sûr, hein, pour essayer de retrouver Alisha, qui pourrait être perdue là-bas à tout jamais. Donc toi, viens là. Donc du coup, ils sont niveau 7, hein, bien sûr. Au calme. Merci d'être passé. Donc du coup, on a aussi changé le niveau de difficulté, donc on est passé de... De la difficulté normale, je crois, à moyen, parce qu'en fait on pouvait. Donc, du coup, je l'ai fait direct, hein. Je ne savais pas qu'on pouvait. Parce que, du coup, je trouvais le jeu un peu trop facile en ce moment. À part un petit mob, bien sûr, un peu chiant, mais bon, voilà. Sans plus. Ok, donc, du coup, c'est parti. Donc, hop, hop, hop. Donc, là, il y a quoi? Donc, là, il y a un genre de mur. Est-ce qu'on peut le casser? Yes, on peut le casser. Hop, ça, ça dégage. Ok, donc, ça, tout va bien. Donc là, hop, c'était quoi déjà ce donjon? Je crois que c'était le donjon de l'eau, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, je crois que c'était ça. Hein. Ouais, c'était le donjon de l'eau. D'accord. Ok, bon, on peut se casser. On n'a rien à y faire là-dedans. Clairement. Ok, donc c'est parti. Hop, on y va. Destination. La forêt arrondie. C'est con parce qu'en plus c'est un endroit qu'on a exploré hier, donc c'est un peu chiant quoi. Et hop, ça dégage, merci d'être passé. Alors donc du coup, je fais ça pour profiter du boost de vitesse, hein, tout simplement. Pour éviter que ça soit trop long. Parce que du coup, il drop que dalle, hein, bien sûr. Oh! Allez, tue-le là! Voilà, merci. Hop! Tiens, on gagne beaucoup de points en fait, hein. C'est un truc de ouf. Je crois qu'on pourrait même XP ici en fait. Parce qu'en fait, on fait une bonne note et rapidement en fait. Fiole de résurrection. Et en fait, ça pourrait XP tout simplement le. Comment on appelle ça déjà? La divinité. Non, pas la divinité, ça s'appelle le. Le séraphin de la terre ou des terres, je sais plus, enfin bref. En tout cas, c'est un truc qui nous donne des avantages. Et du coup, ça pourrait être bien pour l'XP en fait. D'ailleurs, on en a combien l'XP? On va voir ça tout de suite. Attribution des grâces. Miracle de la vie. Une fois par combat, vous pouvez empêcher quelqu'un d'être assommé. Utiliser une préférence contre des ennemis forts. Ouais, super butin. Ok, donc ça, c'est au prochain level. Alors, donc du coup, attribuer, on s'en fout. Offrir un objet. Alors, du coup, on est niveau suivant. 152 et on a 0 points au total pour l'instant. D'accord, donc ça c'est pas mal. Ok, ok, donc élixir, ça vaut quand même 27 points, c'est pas dégueu. On a des sabliers, ok, ok. Donc est-ce que du coup je pourrais lui donner des choses qui pourraient être intéressantes? Ouais, bof, vite fait, hein, clairement, il y a ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas ouf, hein. Clairement, c'est pas ouf. D'ailleurs, je trouve pas l'utilité de vendre en fait, donc pour l'instant. Ok, bon, bah, on va rien faire, hein, clairement. Je pense qu'on verra pour XP plus tard. On verra pour XP plus tard ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc, la forêt arrondie. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? En tout cas, il n'y a pas de mob. Ça, on le sait très bien. Et donc, du coup, elle est partie à Lysia, vous pensez? Je sais pas. En plus, on avait fouillé hier, quoi. Ils sont pas sérieux, les gens, là-haut. Ça peut nous le dire hier, quand même. Hein. Bon, de petits cons. Ça tombe, elle est peut-être partie dans les ruines qu'on a aussi préalablement fouillé hier, aussi, du coup. Le Big Troll. Big Troll Ever. Donc, à ceux sur le live, n'hésitez pas à rejoindre le chat, bien sûr. Hein. C'est gratuit. Donc, c'est parti, on y va. Alors du coup, est-ce qu'il y a une quête ou pas? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de quête. C'est bizarre, pourtant, elle a parlé de la forêt arrondie, tout ça, tout ça. Du coup, c'était la... Je sais pas, c'était la suite logique, en fait. C'était la suite logique. Ah. Laira, tu es un ami de Gigi? ジェンライってジージの本名なの？ああ、イズチじゃ誰も呼ばないけど。以前お会いしたことがあるんです。一度だけ。なんか意味深な会話してたよね。あれ何？カカオチョコチョコミチョコチョコ合わせてチョコチョコムチョコチョコ。このパターンか。いつから知ってたの？スレイが前来の家族だって。赤折り紙青折り紙黄折り紙赤折り紙青折り紙黄折り紙。 もう逆に気になるって。俺は別に俺たちが困ることをじいじがするわけないし、こっちがおかしなことをしたらどれだけ雷を落とされるかわからないけどね。信じてるんだ。ああ、ライラと同じくらいね。 Ah, qu'est-ce qu'elle est chiante cette meuf là, toujours à garder du mystère pour rien là. Elle mérite juste des claques la meuf, elle mérite des claques. Alors donc du coup, voyage. Il faut aller là-bas, sérieusement, dans la cité des grands arbres. Est-ce que vous foutrez pas un peu de ma gueule là, un tout petit peu, un chouïa comme ça là? Hein? On parlait de la forêt là, et du coup, je suis là pour rien en fait.
C'est super ça. Donc du coup il reste encore 10 combats, ok, on est bien. Alors du coup il y a déjà un PNJ à parler, donc attendez, il est où? Il est là. Pouvez-vous m'expliquer comment Logos... Ah donc en gros Logos, c'est d'accord. Moi je croyais que c'était un logo avec un S, mais non en fait c'est Logos. Le marchand de gemmes a pu décrocher le contrat des réparations du pont. Je savais qu'il vendait des gemmes d'Iris, mais je n'avais jamais entendu dire qu'il vendait aussi des pierres de construction. Je me demande peut-être à mon... Je demanderai peut-être à mon informateur plus tard. Moi en fait je suis sûr que c'est lui qui a défoncé le pont, puis après il a dit tiens on va faire du business sur les puits sur les roches, hein, normal. Easy peasy quoi. Dans le plus grand des calmes. Alors donc du coup il faut aller vers le musée. D'accord, bah ok, il n'y a pas de souci, on va aller vers le musée du coup les gens. Allez, c'est parti. Voyageons, on aime bien faire ça de toute façon. Hein. On aime bien. Allez, c'est parti. Alors, oh, attendez, examiner. Examiner quoi? Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. J'ai rien dit. Ok, donc là, du coup. Cette fripouille de Logos a obtenu le contrat pour reconstruire le pont. Ce n'était pas un commerçant, à l'origine, un simple marchand de gemmes d'Iris. La source n'en sait pas plein, hein, mais il semblerait que le commandant est passé par le chancelier en personne. Peut-être que le sixième sens de marchand, mais je pense qu'il est un... Ok. Ah, donc en gros, il y a tout le monde qui se demande pourquoi il y a le contrat, quoi, cet enfoiré. En gros, ça n'a pas l'air d'être un mec de confiance, clairement. Ça n'a pas l'air d'être un mec de confiance. En gros, c'est le genre de mec que tu le prêterais pas ta maison ni rien, tu vois, pour les vacances, tu vois. C'est le genre de mec qui vendrait père et mère pour se faire de la thune, quoi. Donc là, il y a rien. Non, il y a rien. Ok, bon. Bah, s'il y a rien, on fait le tour, hein, on se casse. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'on court moins vite que d'hab. Je sais pas pourquoi, mais. Je trouve qu'on te court moins vite. Bon allez, du coup c'est parti. Donc le point bleu est là-bas. Donc on va d'abord au point bleu, puis après on va au point violet. Dans le plus grand des calmes. Donc le point bleu, normalement c'était le maire, hein, qui nous avait donné un truc. J'aime Iris, vous y êtes bienvenue. Ok, donc en fait ouais, c'était ça. C'était le sanctuaire de merde là. Donc on s'en fout un peu. Donc du coup on va direct aller à l'étoile violette. Hein, qui est le manoir qu'on avait précédemment visité. Pour la quête principale du coup. Au début de l'aventure. Donc, alors, voyons voir. Informateur. Hein, des informations sur l'espion qui renseigne Roland. Mais si vous me rendez un service, je pourrais accorder ma confiance. Ça vous dit? Acceptez la requête. Bon, on est obligé en fait. Hein. C'est bon. C'est bon pour vous. Alors, apportez-moi des plumes de Paon. Il y en a dans la forêt patinée. C'est seulement des plumes, mais maintenant que l'armée boucle le clairvent, ne sera peut-être pas facile. Alors, vous avez réussi à passer sous le nez de deux uns, joli. Très bien, je vous fais confiance, vous voulez, c'est ça. Allez à l'aqueduc souterrain de Vivia, dans Aldame Lac, vous y trouvez quelque chose qui vous plaira. Si vous voulez vraiment connaître la vérité, vous devriez vous dépêcher. Ok, bon du coup, en fait, il faut retourner à Dame du Lac, dans le souterrain qu'on a précédemment aussi... visiter, vu que je voulais savoir si du coup on pouvait s'infiltrer dans ce putain de manoir. Et donc du coup le jeu nous troll, littéralement. Et oui, sinon c'est pas drôle. Bah oui, hein, on est d'accord. Ok, ben du coup c'est parti. J'aime bien moi me faire troll par le jeu, franchement ça me fait sourire. Hein. Ça me fait sourire comme vous voyez, c'est très marrant. Bon allez, c'est parti, on y va. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? D'accord, il y a Alicia déjà. Bravo la traîtresse, bravo, bravo. C'est du beau, c'est du beau. Oh, il est pas flag le mec, vous entendez le bruit qu'il fait? キミツロへの容疑で拘束する。アリーさん、同じ結論にたどり着いたか。どういうことですかな。すまん、これは違うのだ。引いてください、姫様。これは言い訳無用。 この者の屋敷を捜索し、ローランスにつながる証拠は押さえた。グリフレット橋の修復や軍需物資の受注、不正な取引の証拠も。それは報酬です。この者の貢献への貢献。このロゴスはローランスとの非公式の外交ルートを担う重要人物なのです。どういうこと？ハイランドとローランスは表向きは国交を断絶しています。
ですが、あの方を介して水面下で交渉していたのでしょう。つまりスパイじゃなくて連絡係。戦争に進みながらこんな根回しもしているのか。それが政治というものですわ。大問題ですぞ。非公式ルートまで潰れたらどちらかが滅びるまで戦うしかなくなる。だが私には何も知らされて。当然でしょうな。あなたのような方ではこの探旅が何を招くか覚悟されよ。とにかく前後策を講じねば。釈明は後で聞かせてもらいましょう。わかった。Ouais, et la gemme d'Iris qui apparaît comme par magie, hein, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Bah oui, hein, bien sûr. Ok. Alors, gemme Iris Seiti, hein. Ok. Oh putain, c'est encore lui là, avec sa tête de lion là. Il a perdu toute sa famille, le mec, au KLM. Assassiné par des assassins, peut-être, ou du genre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer avec l'enfant? そうだろう、ライラ。あんなことが本当にあるなんて。大地の記憶は過去に起こった事実を記録するものですわ。事実なのか。しかもただの事件じゃない。天境術でなきゃああはならない。兵馬か天族が人間に術をかけたって。おそらく目的は復讐ね。おっかない術だね。いや、怖いのはかけたやつの方かな。けど家族は関係ないだろう。生きる目的を奪うのが目的だったのかも。直接殺すよりもずっと残酷だし。いるのか、そこまでされなきゃいけない人が。 OK, donc du coup on a appris à peu près des choses sur, sur l'homme à tête de lion, hein, bien sûr, hein. Le méchant avec sa dégaine de merde, bien sûr. Alors du coup, on va faire une petite save, tranquillou. Donc on en apprend de plus en plus, donc j'espère que du coup la quête est terminée, hein, parce que du coup... Alors attendez... Ah, il faut aller aux ruines, sérieux? C'était de ma gueule là ou quoi là? Putain, à chaque fois on dirait qu'on découvre des nouveaux trucs quoi, sérieusement. Bon bah du coup c'est parti, hein. SS3, Super Saiyan 3, les gens, on y va. Parce qu'en fait c'est des donjons qu'on a déjà visités, donc... voilà quoi, du coup c'est pour ça que j'ai accès, hein. Donc d'un côté, vaut mieux en fait, hein, clairement. Ça, on y va, on va juste accueillir les trucs, hein, clairement. C'est un avantage de voir explorer avant. Ok, donc c'est parti. を絶とうとしたのか。何度も結局死にきれなかったみたいだな。けどおかしくない？こんなに失敗するなんて。本気じゃなかったんでしょ？そうは見えなかったよ。うん、むしろ本気で死にたがってる感じがした。偶然じゃないってことか。これそこまではわからないことだらけね。なもんさ世の中は。ひとまずの目的は果たしたな。欲を言えば荒らされる前に調べたかったけど、洞窟が始まったのはかなり昔のようだね。それだけど一個気づいたんだ。昔ここから持ち出された石や装飾ってペンドラゴの建築に使われたんじゃないか。あり得るな、場所と時代から考えて。だろ、どこに使われてるか調べたらペンドラゴの隠れた歴史が明らかになるかも。同じようにビビア水道を利用したレディーレイクと比較したら当時の人々の思考がわかるんじゃないか。それ面白そうだ。さすがミクリオ。それだけじゃない、さらに仮説を進めると。うーん、何が面白いのかさっぱらんけど。元気は出たようですね。また笑われちゃったか。なんなん、今のは称賛の微笑み。
本物の遺跡バカへのね。ビバ遺跡バカ同士。よっ、遺跡バカ同士。そんな同士いる？聞いたことはありませんが。じゃ、スレイが第一号で。問題はないか。まあね。Ok, donc du coup c'est parti, donc on a eu le cache-œil du guerrier, donc qu'est-ce que c'est de beau? Donc on va voir ça tout de suite, hein, parce que du coup si ça peut nous rendre encore plus, plus charismatique, hein, on va dire en quelque sorte, pourquoi pas. Donc alors du coup, où il est ce truc? Le cache-œil du guerrier. Ah oui, bah oui, bien sûr, voilà, c'est tout à fait ça. On va devenir un détective à œil de pirate, hein. Bah oui, bah pourquoi pas, regardez. Eh, franchement, si ça c'est pas beau gosse, on va se mettre comme ça, voilà. Ok, donc du coup on va se retrouver aux téléportations et on va voir s'il y a une nouvelle étoile qui est apparue, comme par magie bien sûr, hein, parce qu'on a déjà clean ces donjons. Alors, sacrilège. Ah.略して馬鹿かけにミボね。略し方おかしいだろ。声大きい。冒涜よ。誰のせいだ。あ、ミクリオってスレ絡みじゃなくても結構怒ってるね。怒ってるんじゃなくて突っ込みだよ、ミクリオもは。出たね。天然発言。今のは真剣に腹が立つね。 Ils sont sérieux, ils sont en train de le troll trop, quoi, de s'abuser. Ok. Mais du coup, c'est ça qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'il y a un peu d'humour, parfois. Ça, c'est cool. Alors, du coup, ok. Ok, mais en fait, on a l'air d'avoir fini, hein. Enfin, je dirais. Bon, bah du coup, notre ouais, notre exploration a quand même bien bien servi, hein. Donc du coup, on va aller directement ici. Et on va voir si le vieux con va nous dire enfin... Ah, tu as trouvé tous les iris et les annales de la terre. Je vais enfin pouvoir te révéler la suite de ton aventure. Ça serait bien, hein. Je sais que ce serait trop beau, mais ça serait bien. Faut pas se le cacher. Alors. Si tout ne colle pas, comme on dit, non. D'abord récupère tous les fragments d'histoire, même si cela implique de fouiller toutes les ruines. Reste ici quand... Oh putain, mais t'es sérieux là? J'ai toujours pas fini. Non mais il y a un foutage de gueule là, c'est pas possible mec. À un moment, il faut arrêter de te foutre de ma gueule. Putain, c'est pas possible ça de se foutre de ma gueule comme ça là. C'est pas possible d'être un enfoiré pareil. Comme c'était rond, plus rond. Milan. Ouais. Bah, en gros, ils m'apprennent plus rien en fait là, clairement. Hein. On a fait tout ce qu'il fallait. Hein. Donc je vois pas quel donjon on n'aurait pas exploré, hein, clairement. Bon, bah vous savez quoi, on va faire un truc, hein, on va appuyer là. Et on va voir quel endroit on aurait pu oublier. Ah, il y a un point d'interrogation. D'accord. Et donc du coup, c'est ici. Ok, tout va bien. Est-ce que du coup j'aurai un point de TP? Donc c'est le bassin? Non, foutez... ne foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. Le jeu, respectez-moi. Parce que du coup, si le donjon se situe là-bas et que c'est le seul truc que j'ai pas exploré, cela voudrait dire que du coup, on serait dans la merde. On serait dans une merde monumentale. Parce que du coup, je peux plus accéder à ce donjon, hein, bien sûr, à moins que les choses ont changé. Mais normalement, non, je ne peux plus accéder à ce donjon, les gens. Donc, comment je vais faire, moi? Bah, de toute façon, on va regarder, hein. On va regarder si on peut se TP, hein. Parce que du coup, c'est un peu chiant, là. Oh, putain, je suis tellement dans la merde. Tintin, tintin, tintin. Ouais, non, on peut pas se TP, hein. Oh putain. Comment on va faire?
C'est pas possible. Sanctuaire du feu. Ruine. Ouais non, c'est juste pas possible hein. Crête des esprits. On est dans la merde. On est dans la mer noire. Ouais, je sais pas du tout comment on pourrait faire, clairement. Parce que du coup, il y a tous les endroits qui ont été visités, hein, par nos soins, bien sûr. Et du coup... Au pire, on va essayer de voir où il y avait le dragon, hein. Clairement, je vois que ça, mais bon. Donc le frère de notre ami. Ah, il a l'air d'avoir un point d'interrogation. Donc c'est parti, on y va. Mais oui, nous aussi on t'aime. On t'aime tous. Salut à toi, Size. Ok, donc là, il n'y a rien. Alors du coup, Tatou... tellement bas level, le bazar. Et là, ça dégage. Hop, donc du coup, on va passer par là. Bon, du coup, on va regarder un truc vite fait. Hop. Donc, on va supprimer le dessin de l'autre troller là, qui sert à rien. Voilà. D'ailleurs, il est vide son dessin, donc il est un peu con ce gosse. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, c'est parti. Qu'est-ce que du coup on va pouvoir affronter le dragon ou pas, les gens? Telle est la question. Ok, donc c'est parti. Ok, ça mène nulle part en fait, vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux là dans ce que vous dites là? Putain. Je suis venu pour rien, pour une vieille biscotte à la con. C'est pas sérieux là. Hop, c'est parti, on y va. Comment les arbres barbecue les pauvres. Hop, ça dégage. Hop, ça c'est fait. Donc hop. Alors du coup. Bah alors. Bah, il se fout de ma gueule ou quoi le jeu là? Ok, le jeu me troll. C'est cool! Sympa! Hop!
Alors du coup là-bas il y a un petit coffre en argent. On va se le faire vite fait. Un coup de poing dans la gueule. Hop. Mèche rebelle. Ils sont sérieux quoi. Attendez, on peut peut-être se le mettre. Alors attendez. Non, c'est pas là. D'ailleurs, est-ce que j'ai un nouveau... Non, on a toujours le vieux vêtement de départ. Alors, mèche rebelle. Putain, c'est chiant. Faut le mettre à la place du cache-œil quand même. Oh. Ouais, non, c'est moche. C'est très très moche. C'est même trop moche. Alors attendez, du coup. Casque anti-bruit. LOL. Ils sont sérieux. Chignon, non. Mèche droite. Lunettes de soleil. Cache-œil. Ah ouais, comme ça, voilà, on va se mettre comme ça, tiens. En mode Zoro. Allez, viens là, toi. Donc c'est parti en route, hein. Oh, oh. Eh, tu crames ou quoi, là? Ça, elle est chiante, celle-là. Ah, putain. Ah, mais arrête de courir, saleté. Voilà, merci. Alors là, on a déjà fait ou pas? Ah bon, on l'a déjà fait. Du coup, faudrait trouver un chemin qui nous mènerait au dragon. Bah alors, ils sont sérieux là? Mais c'est pas ça que je veux. What? Pourquoi il fait plus mon... Attendez, il y a un problème là. Normalement, il doit faire le dash du vent. Qu'est-ce que c'est de bordel? Ah non, en fait, c'est... Non, autant pour moi, en fait, c'est moi qui me suis trompé. C'est bon. C'est juste qu'en fait, j'appuyais pas sur le stick. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est de ma faute. Ok, donc c'est parti, tac, tac. J'espère qu'on est dans la bonne direction, en tout cas. Parce que de toute façon, je vois plus que ça hein, pour la dernière gemme Iris. Je vois que ça. Parce que le donjon peut pas y accéder. C'était une quête où que, du coup on avait aucune liberté, on devait juste aller là et fermer notre gueule. Donc du coup, je vois pas comment on pourrait accéder d'autres par le donjon. Voilà, du coup on peut dasher. Hop! Et voilà. Hop, donc on a une couronne d'elfe. Pourquoi pas. Donc là c'est parti, tac tac. Qu'est-ce que t'es chiante à courir, bordel de brin. Voilà, merci d'être passé. Donc attendez, on est dans la bonne direction, ouais c'est bon. Faut pas se diriger dans la mauvaise direction, sinon ça va être chiant, on va tout recommencer. Voilà, ça ça évite qu'elle court pour rien cette conne. Et voilà, hop. Ah mais t'es chiante à courir, saleté. Voilà. Hop, alors du coup on a deux chemins, donc on va aller vers par là pour voir un peu ce qu'il y a. Parce qu'on n'est jamais venu ici, hein, clairement. Parce qu'avant il y avait le dragon qui nous empêchait d'y aller, il y avait aussi les pouvoirs qui nous empêchaient d'y aller, tout plein de conneries qui nous empêchaient de le faire. Ok, ça, ça dégage. Hop. Et hop, ça dégage. Donc là, du coup, c'est pas très passionnant les combats vu que c'est vraiment des bas levels. Hein. J'espère que du coup, on va réussir à battre le dragon, qui est le frère de notre ami de la terre, là, Edna.
Pour ceux qui sont pas suivis le début du jeu. Alors du coup. Moi j'ai l'impression qu'on rend pas si vite que ça en fait avec le petit speedac de du vent là. Viens là toi petit con. Allez hop, ça dégage. Voilà, merci d'être passé. On dégage. Oh, comment je t'ai mis trop cher. Putain. Hop, alors du coup, donc là on n'a pas été, donc on va y aller tout de suite. Non, c'est pas par là, c'est par là. Faut pas se perdre, hein, parce que sinon on va plus savoir où aller, c'est chiant. Donc hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Et du coup, on va laisser un caillou pour dire qu'on a déjà été. Hein. Donc, ça c'est good. Donc là, ça dégage. Donc un coffre de bronze. Ouais, c'est pas ouf, hein, clairement. Donc allez hop, essayez de vous regrouper, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Voilà, merci. Au moins comme ça on va tous faire d'un coup. Salut à toi Sir Banane, j'espère que tu vas bien. Ok, donc ça c'est fait du coup, c'est rapide hein. Hop. Situation entre guillemets dangereuse à ce qui paraît hein, mais bon c'est un peu du fake hein, clairement. Hop, et hop, donc on a des chaussures solides ouais, vite fait. Ouais, c'est vraiment des trucs de merde hein, qu'on drop hein, clairement. C'est un peu dommage hein, mais bon en même temps on est dans une zone bas level hein, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Allez, c'est parti. Hop. Oh, elle est chaud Yu-Gi-Oh là. Hop, 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 hop. Oh, elle a mis trop cher Yu-Gi-Oh là. Elle a pas eu le time. Hein. Elle a dit Yu-Gi-Oh. Et hop, elle a mis trop cher. Alors du coup, hop. Donc là on n'a jamais venu ici. Alors du coup on a deux endroits, donc un avec un cul-de-sac, donc on va visiter direct le cul-de-sac hein, bien sûr. Et hop, ça dégage. Ok, donc c'est parti, on y va. Donc on va casser le rocher. Merde, quel con. Mais c'est pas ça que je veux. Là. What? Mais ah voilà, merci. Respecte-moi un peu le jeu là. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui sont sur le chat, hein, enfin plutôt sur le live, de rejoindre le chat. Justement. Ok. Je viens de traverser littéralement le mob, c'est super, j'adore ça. Hop, du coup, tac. Ok, c'est pas la bonne direction. Donc c'est par là, la bonne direction, pour fouiller un peu. Donc viens là, toi petit con. Oh mais ils sont chiants là, à nous faire traverser comme ça là. Voilà. Donc ça dégage. Merde. Ah ok, hop. Oh, ça dégage j'ai dit. Merci. Et là du coup il y a un petit chat, ok. Tu as de l'équipement. Alors qu'est-ce que c'est? Puissance du vent. Ah ça peut être pas mal ça. Alors du coup on peut mettre ça sur... Faudrait mettre ça sur le poteau là. Ok, gilet royal. Hop, plus 10% de dégâts du vent. D'ailleurs aussi plus tard il faudra essayer de se faire un set. Donc full feu, full vent, full eau et full terre. Et full neutre aussi du coup. Pour faire des dégâts vraiment pétés de ouf. Et du coup défoncer du fion très facilement. Parce que comme ça, du coup, quand on va se transformer avec ces 7 là, ça va faire très 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 mal en dégâts.
On va défoncer les faiblesses, mais mode trop KLM quoi. Hop, c'est parti. Donc du coup, est-ce qu'on aura le niveau pour défoncer le dragon de Skyrim? J'espère en tout cas. En tout cas, c'est mon dernier espoir. Hein. Franchement, s'il donne pas d'iris, c'est fin du game. Hein, parce que clairement, je vois pas où que je pourrais avoir des iris autre part qu'ici, hein, clairement. C'est parti. Ah oui, mais il est niveau 80. Ah bah oui. Ouais, d'accord. Ben du coup, ouais, je sais pas trop si on peut le buter en fait. Wow, ça a l'air chaud là. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre le vent en fait. Bizarrement, c'est pas one shot en fait. Hein. Ouais. Ça a l'air bizarre ce bazar quand même. Hein. Donc en fait il résiste à tout pour l'instant là, c'est un peu chiant. Pour l'instant il n'a pas l'air très compliqué, mais le problème c'est qu'il tanque à mort en fait. Ok, donc du coup on va se mettre une petite résurrection. Donc il est quand même niveau 80 le bazar. Ok, donc là il commence à se défendre violent. Ah donc du coup on n'a pas celle de la terre parce qu'elle veut pas se battre contre son frère, d'accord. C'est vraiment une lâche en fait elle. Du coup on peut fuir à tout moment, d'accord. Attention. Ouh. Ok, je me suis pris cher encore une fois, c'est cool. Alors du coup, tac 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 tac. Résurrection lui. Bon, je pense pas franchement qu'on peut se le faire, hein, clairement. C'est juste pas possible. Putain, et je suis encore mort, mais sérieusement quoi. Le truc il te pète à la gueule et hop, tu crèves quoi, direct. Instant. Ouais, il nous a tous tués, ok, bon. Bah du coup, ouais, je pense pas qu'il est faisable en fait. Hein. Bon bah du coup, je pense que du coup, on a game over. Hein. Parce que du coup, je vois pas où que je pourrais aller chercher un truc autre que le dragon en fait. Et le dragon niveau 80. Du coup... À moins que je dois juste lancer le combat et fuir, hein, comme un lâche. On va essayer, mais bon. Je vois pas d'autre moyen d'avoir l'iris en fait. Parce que tous les donjons, on les a clean. Il n'y a plus d'étoiles sur la carte. Du coup, il y a un souci là. Il y a un gros gros souci. Oni
ちゃんと戦うなんて聞いてない。私は協力しないから。グレイはバイリーです。ライラ無理しないで。まずいぞ。ここから離脱するよ。Ouais, bon, ça change rien en fait. Hein. Bon, bah ok. Bah du coup, on est venu ici pour rien, parce que le truc est niveau 80. On peut juste pas le dégommer, parce que du coup, il est trop chaud, quoi. Il fait trop mal. Ouais, je vois pas du tout comment on pourrait faire. Hein. Alors, est-ce que du coup, il faudrait peut-être retourner sur le champ de bataille en espérant que quelqu'un dans son immense gratitude nous laisse passer? Je ne sais pas, à moins qu'il y ait encore un truc à Dame du Lac que je n'ai pas su, donc peut-être aller voir Alisha. Je sais pas, franchement, il y a trop pas d'indications, c'est chiant en fait. Là, c'est trop chiant. Donc on va essayer de retourner à la Cité de l'Eau, on va aller dans le Sanctuaire, ce qui me paraît le plus proche. Ouais. Bon, d'enfoiré. Ils disent ah, allons voir Alisha. Bah oui, bien sûr. Hein. Mais tant qu'on y est, saleté. Ouais. Putain. Truc de ouf, ces indications de danger. Ils te rendent fou, quoi. Ils te rendent fou, les indications de danger. Ils sont tellement rares que chaque truc, c'est une pépite, quoi. C'est... Chaque indication qu'ils te donnent, c'est limite le putain de Saint Graal, quoi. Bon bah c'est parti du coup. Parce que d'habitude la suite logique du jeu ben c'est qu'ils s'en battent les reins d'Alisha et là comme par hasard maintenant ils veulent se focus sur elle quoi. Slay,待った。いかがでしたか。幸い噂が広まる前に抑えられた。私が頭を下げてなかったことになったよ。 お辛かったでしょう。何でもないよ。完全に私の勇み足だったし、ディフだけはずっと捨て淵で生かされてきた分家だ。しかも私の母はそんな父が気まぐれで見初めた姿勢の娘だから、みんな許してくれたよ。政治が分からなくて当然だと。アリーシャ様けど、だからこそ私は正しいことをしたいんだ。みんなに認めてもらえるように、亡くなった父母の名誉のために。私は間違っているのだろうか。お茶をお入れしますわね。一人にしてあげましょう。今は。ああ。もし。Joue rose. Ouais, super. C'est super ça. Bah oui. Du coup, ça m'apporte rien d'être venu ici. C'est cool. Bah oui, faut sourire. Hein. Putain. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux là. Ils vont me faire péter des câbles. Donc le seul espoir que j'avais, ben du coup il vient de s'évaporer encore une fois, c'est cool. Chercher les gemmes d'Iris manquantes. Ouais. Ouais. C'est bien beau tout ça, hein, mais bon. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, faudrait peut-être que je retire... Attendez. Merde, il est où ce con? Non, c'est pas ça. C'est là-dedans, je crois. Ok. Donc, préparation, détection de trésor, préparation d'encas. Et donc, lui, il a foulé du vent. Mmh.
Ah, d'accord. Alors du coup, on pourrait commander quoi? Une épée en topaz peut-être? Ça peut être pas mal. Ouais, je vois plus. Franchement, je vois plus ce qu'on pourrait faire. Ouais. Bon bah du coup, on va essayer de retourner au village abandonné de Cliff, même si du coup on avait déjà été, hein. Donc.国や政治とは人の思惑が絡み合った雲の巣のようなもの。理想だけで渡ろうとすれば絡め取られてしまうと思います。けど、俺はアリーシャが間違ってるとは言いたくないよ。アリーシャが頑張る理由を知ってしまったから、余計にね。今の時代、アリーシャさんの純粋さはとても貴重なものだと思います。ですが、硬すぎる剣は 意外にもろいものですが。うん。それに、アリーシャのは正論だから。正論じゃダメだって言うのか。正しいこと言われて、自分が間違ってるの気づいたら、かなり来るじゃない？そしたら、へこむか逆ギレしちゃうっしょ。相手も人間だもんな。結果、あの子が正論を解くほど、自分のいびつさを知るものは、あの子に敵意を持つ。そういうことね。 正しいはずなのに敵意を持たれ、またアリーシャはそれに真っ向からぶつかり、より強い敵意を生んでしまっているのか。で、悩んじゃってる。お姫様にはちょっと重い荷物だね。辛いな、アリーシャも。ですが、アリーシャさんの思いが間違っているとは思いませんわ。ただ、見極める必要はあるのではないでしょうか。アリーシャだけじゃなく、俺も見極めなきゃな。 Ok, Cocktail Cornet, mais de quoi en fait là du coup, parce que moi j'aimerais bien savoir où aller en fait, tu vois. C'est pas, tu vois, que je suis dans le doute, mais voilà quoi, hein. Cette affaire, on va retrouver quelque chose, j'en suis sûr pour l'instant. Peut qu'attendre. La sangsue debout. La sangsue debout. Mais c'est où ça, la sangsue debout? Je me rappelle vraiment plus où c'est en fait, hein. Je me rappelle plus où c'est.
Ouais. Ouais, du coup, on n'a pas vraiment d'indice en fait, c'est ça le problème. Donc si quelqu'un saurait où c'est, hein, clairement, je suis preneur. Hein. Alors du coup, là, il y a des lames de sangsues. Donc là où il y avait des sangsues de base, hein, ils sont où? Les sangsues. Non. Alors sangsues. Criant du néant, tireur gobelin. Donc c'est la crête. Alors, est-ce qu'à la crête il y aurait des mobs? Bonne question. Ouais. Je vois vraiment pas où ça pourrait être. Hein. Alors, attendez, on va essayer d'aller à la crête du coup les gens. Je vois que ça. Donc la crête elle se situe par là je crois. Auberge. J'espère qu'on aura des indices parce que là clairement que dalle hein. Que dalle de chez que dalle hein. Même la meuf elle sait pas où c'est quoi. Oh merde, il y avait un point bleu. Oh le con. Attendez, on y retourne. Oh merde, il y avait une étoile je crois. Attendez, on verra ça après. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici? J'ai vraiment vu une sangsue debout dans la grotte Hider. La grotte Hider. Ok, bon, c'est parti, on y va dans la grotte Hider. Hein. C'est parti, allez. C'est le seul truc qu'on a en indice, hein, clairement. Ok, donc c'est parti. Là, j'espère vraiment que ça va être le dernier, parce que franchement, là, c'est comme ça me faire péter un câble, leur quête de des iris, là, je sais pas quoi, là. Du coup, la grotte Hider, c'est parti. Le pire c'est qu'on a déjà visité ces grottes de merde, hein. C'est ça le pire. C'est vraiment le pire. Ok, bon c'est parti. Hein. Du coup on va prendre la petite plante parce que c'est gratuit. Hop, merci. Alors, c'est parti pour la grotte Hider. Waouh. Ah ouais, c'est cette grotte là avec les 10 000... Ah ouais d'accord, je me rappelle. Hein. Donc du coup on va directement rusher l'objectif, hein. Bien sûr on va passer par là. Donc c'est parti. Oh. Oh non, j'ai eu peur, je croyais que directement on avait l'objectif, mais non, c'est vrai, c'est des mobs basiques ici. C'est juste qu'on les voit pas souvent, ces mobs-là. Allez, c'est parti, il faut trouver une sangsue debout. Allez. Du coup, on va s'affronter quelques mobs en passant. Au niveau 30 quand même, hein. D'accord. Ah d'accord, ils sont résistants, ok. Elle meurt. Ok, donc ça c'est passé. En fait, ils sont quand même pas mal résistants pour des mobs de merde, hein, clairement. Je suis un peu déçu, en fait. J'en sais les farmer facile, mais non. C'est pas du tout facile. Alors, hop. C'est parti. Sablé aux fraises. Pourquoi pas, écoute. Alors, du coup, trouver la sangsue. Allez. Alors, la sangsue debout, qui se situe peut-être là-bas, du coup. Enfin, j'espère, en tout cas. Ah tiens, bizarrement, on l'a pas fait. Sérieux? On n'avait pas fait un boss? Peut-être qu'il était trop fort. Je sais pas, je me rappelle pas de pas l'avoir fait en fait. Je ne sais pas du tout. Alors du coup, on peut pas prendre de raccourcis. Ouais, du coup, on peut pas prendre les raccourcis parce que je crois que, ouais, à l'époque, on n'avait pas encore le truc qui détruit. En fait, on a fait ce donjon-là et juste après, malheur, on a eu le sort en fait.
Un truc bien troll en fait. Un truc très très bien troll. Alors du coup c'est parti. Hop, un petit coup de poing des familles. Voilà, un petit raccourci qui va pas faire de mal. Ok, donc là les coffres on a déjà fait. Ok. Non mais dégage, tu vas devoir faire... Tu me fais chier là mon grand. Tu me fais vraiment chier. Tu me fais tellement chier que je dois one shot. Eh bah oui. Allez dégage. Voilà, merci d'être passé. Putain, ça fait chier ça clairement. Ils sont chiants. Tout le temps en train de nous coller ces fantômes là. On a pas que ça à foutre nous. Clairement. Pas le time. Ok, donc on va voir si elle a la putain de sangsue debout. Normalement, il se situe ici. Hein, donc, si c'est pas à l'endroit du boss, ce serait où? Du coup, on verra. J'espère qu'en tout cas, c'est un boss qu'on n'a pas fait. Parce que vu que c'est le début d'aventure, peut-être que du coup, on est passé devant un boss sans le tuer. On l'a peut-être épargné. De... Alors, du coup. What? Attends, est-ce que le jeu se fout de ma gueule ou quoi là? La sangsue vient de s'enfuir. Non mais genre on a que ça à foutre quoi en gros. Donc attendez. Pas furtif. Je crois pas que comme ça elle va nous voir. Et ensuite on l'agresse. Ah bah voilà. Niveau 36. De type amorphe et dragon. Non mais et la blague. S'il vous plaît, respectez-nous quand même. Hein. Ok, on fait vraiment nos dégâts en fait. Allez, meurs! Bon, elle est pas très dure, hein, clairement, mais elle a l'air chiante. Et longue, surtout. Ah, il lui reste 2000 PV. Putain, 1200 PV lui reste. Et ben dis donc, chiant le bazar. Mmh.
Sale noob, bouh, t'es nul. Watashi wa Hoshiya yo. Ara ara, douseki ga konna tokoro ni. Daichi no kyoku, sore moraenai? Ee, ii wa yo. Konna mono ja, orei ni mo naranai kedo. Sonna koto nai yo. Arigato. Maa maa, yoku no nai douchi sama ne. Orei no kawari to itte wa nan da kedo. Kago o tanomenai ka? Kono chikaku no Godojin to iu mura nan da ga. Godojin? Hii no shiren shinden ga aru mura ne? Demo, utsuwa wa aru kashira? Sore wa sagasu kara. Wakatta wa. Toriaezu mura ni itte miru wa ne. Ok, ok. Bon bah c'est cool. Eh ben dis donc, j'espère que c'est la dernière, hein. Sinon je pète un câble. あいつも人間だったんだよね。今更だけど。はい。冷徹ではあっても当たり前に家族を愛する。そんな人間がサイカの剣士になるのか。家族を失ったから。なんかのせいっていうより自分の意思でなったように見えたがな。そうね。 俺たちが理解できることじゃないのかもしれない。けど、きっとヘルダルフはやめたんだ。抗うことを。 Eh ben dis donc. Alors du coup, hop, on va aller au point de TP, hein, et on va se téléporter déjà pour aller voir le truc. Donc du coup, j'espère qu'il n'y a plus rien. Hein. Parle-moi toi. Je crois qu'on a trouvé la majorité des annales. Quoi ça semblait, je pense. Le moment est venu d'aller voir. Ah oui, 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 le moment est venu largement là. C'est bon, hein, clairement. Bon, du coup, on s'était bien avancé dans la quête. Donc, du coup, en fait, on s'était tellement bien avancé dans les quêtes et à explorer, etc. Que du coup, bah, on a plutôt galéré en fait. Il y a des moments où ça nous a aidé, des moments où ça nous a fait galérer. あいつの心の痛みは十分すぎるほど分かった。おろ、同志殿、同情しちまったのかい？同情なのかな？分かんない。もう厳しすぎるぞ、ライダー。知らないままの方が揺らがないってのに。ごめんなさい。だが実際、どうするのが正しいのか難しい問題だよ。ライラは正解を出せって言ってるかい？え？ザビーダさん？あちゃ。 怒られちゃった。でどうするの？ここで話し込んでても、しょうがないと思うけど。メイビンのところに戻ろう。だね。おじさんも、もう考えまとまったかもしれないし。なんとなく分かった。ヘルダルフには、俺の前に同志だった人の何かが絡んでるんだ。そうか。ライラが直接話さずに、 語り部というメイビンに協力を求めたわけだからな。なんなんだ。傘はそうやって使うものじゃないだろう。乙女心のわからんやつめ。で、ツンツンすんなっての。は、これがツンデレ。いって、結構本気。ザビーダ、サンキュー。和ませようとしてくれて。惚れてもいいぜ。調子乗りすぎ。
グワハさあ、ログリンへ急ごう。きっとおじさんも待ってるよ。あのメイビンが同じところにいるなんて、よっぽどのことだろうからね。そうだよ、探検家だしね。よっぽどの何かがあるんだろうか。ミクリオ、ここで心配しても仕方ないな。そう、アンズルよりなんとか。産むがやすしだよ。Ok, bon bah du coup on a appris pas mal de choses, hein, clairement. Donc on a appris que du coup, ben, ce que je savais déjà, hein, clairement quand j'ai vu sa gueule, j'ai dit tiens c'est lui le mec à la tête de lion, mais du coup on a appris, tout simplement. On a appris comment et pourquoi. Alors donc du coup, avant d'y aller, je devais aller checker quelque part, donc c'était ici si je dis pas de bêtises. Ok, et en fait on va voir à peu près quel réceptacle il va utiliser. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, ok, donc là on a plus de bénédiction, donc ça serait peut-être pas mal aussi de prendre un petit truc. Lorsque tous les que le PV de tous les personnages sont inférieurs à 60%, restaure 20% de PV. Lorsque le PV d'un personnage sont inférieurs à 40, restaure 40% de PV. Lorsque le PV de tous les personnages sont inférieurs à 40, soigne le poison, soigne la fatigue. Ok, on va se prendre une petite pizza kebab, hop, c'est parti. Norumi, keko atsumatta ne. Daibu norutte kita wa. Sore ni shitemo ノルミン転属の能力は便利だな。なのになぜ放置されているんだろう。だよな、助けてほしい転属は大勢いそうなのに。昔は引っ張りだこならぬ引っ張りノルミンで皆さん大忙しだったんですよ。なのになんで今はノラなの。ある時彼らのリーダー的存在が過酷な労働条件に反旗を翻したのです。ノルミン転属の自主独立と賃金の大幅アップを要求し独立闘争を仕掛けてきたのですわ。ノルミンの反乱？大きな争いになったのか。いえ、独立を叫んだのはリーダーさんだけで、他のノルミンさんたちはお手伝いはかばへんけど、せっせと働くのは300年に一遍くらいで堪忍したってという形で話がまとまったのです。ぬるいなぁらしいけど。でリーダーはどうなったの。それはある天族と決闘した挙句に敗れ行方知れずになったみたい。そっか、ノルミン天族にも歴史があるんだな。ライラはともかくエドナも詳しいんだね。やっぱりノル好きなんじゃ。ただの噂、小耳に挟んだだけよ。Ok, donc du coup on s'est mangé la petite pizza kebab, ça nous met bien. Alors donc du coup, donc on va aller voir dehors, s'il y a des choses à faire. Ah putain, il y a encore ce vieux trou du cul là, qui dit de la merde. この同志マルフォの活躍によってな。どうしよう、心配をおかけした。だがまだ気分が優れないのです。失礼。様子が変だよ、何かあったんじゃ。あのマルフォという男、村長を脅していたのよ。教皇の悪事を公表するぞって。なんで教皇って。マルフォは元司祭だ。それに教会が偽エリクシールのこと調べてるって。教えてもらえる？詳しい事情。なるほど、失踪した教皇が偽エリクシールを作ってたのね。けどそれは村のみんなのためなんだ。村長は偽エリクシールの販路と製法をマルフォに教えたわ。今後教会が石成功を買い取ることを条件にね。どういうこと。脅迫に屈したんじゃなくて取引をしたんだね。そう、教会は
全教皇の悪事を不問にする。その代わり偽エリクシールの販売もお手にする。マルホは調停役として報酬と信用を獲得する。ゴドジンは合法的な収入を得るってわけね。罪のもみ消しじゃないか。それに教会が偽エリクシールを売るって正気の沙汰じゃない。残念ですがあり得ることです。お金が必要だものね、人の世は。あのこの村の加護は器、学校の建物にしようと思うんだけどどうかしら。いいの？教皇、いいえ、村長は自分の死期を悟っているみたいね。それは私の家具でもどうにもならない。だから村の収入源を残そうとした。見届けてみたくなったのよ、彼の決意の結末を。ありがとう、フォーシアさん。どういたしまして。決意の結末か。Eh ben dis donc. Alors, région de Gononin, bénédiction restaurée. Ok. Et du coup, on a eu... Donc, jeune fille, c'est quoi ça, du coup? Jeune fille de feu, autre couleur. Oh! Pose de mission grâce au séraphin. Coupe de cheveux, séraphin, autre couleur. Oh! Donc, en gros, on a eu du skin pour elle, en fait. Alors, attendez. Hop. Hop. Alors, du coup... What? C'est quoi le changement? Clairement, je vois pas de changement en fait. Ah si, d'accord, ok, ouais. Elle a un genre de pompon dans les cheveux, ouais, d'accord. Et elle a un bien en blanche, d'accord. Ah bah ouais, c'est une genre de robe de mariée en fait. Normal. D'accord, bon bah on va la mettre comme ça, tranquillou, hein. On se la met en robe de mariée, tranquille. Alors du coup, là... Ok, tiens d'ailleurs, je vais peut-être mettre la moustache aussi à lui, tiens. Hop, ok, il est où là? Tac, tac, tac. Lol. Voilà, hop, on se met la barbe, parce que vu qu'on en aime bien l'héroïne, hein, clairement. C'est bien d'être un peu détective. Hein. Ok. Bon bah du coup... Ouais, il n'y a pas de choses spéciales, bien sûr. Ministre du Seigneur de la Terre. Non attribué. Offrir un objet. Donc ouais, les niveaux bas. Hein. Ouais. Ouais, donc en gros, ils sont pas tous liés, en fait, les trucs de la Terre et tout. Ok. Moi. Ok. Ah, un chat. GP en cas d'étourdissement. D'accord. Alors du coup, on pourrait mettre ça sur qui? Allez hop, sur ça, tac. Allez, retourne. Retourne là-bas, toi. Ok. Bon bah du coup, on est bien, hein, clairement. Ah, un autre. What? Il y en a combien comme ça? Vitesse d'augmentation GP en cas d'esquive. Ouais. Voilà. Ah putain, il y en a beaucoup de chats ici, hein. What the fuck, quoi. Ok, bon bah du coup, on peut aller voir l'autre papy, hein, du coup. Alors toi, qu'est-ce que t'as de beau? La promotion, ouais. Bof. Bof, bof, bof. Donc fiole de résurrection, je pense qu'il faut en acheter. Hop, voilà. Hop, on va acheter ça. Ah purée. Hop. Mais putain, j'ai pété un câble. Voilà. Ok. Voilà. Donc Abby, blablabla. Ok, ok. Ok. Du coup, niveau arme, on en est où? Épée topaz. On va essayer de mélanger les épées topaz pour voir. Si
ça pourrait faire un truc pas mal. Donc alors à elle du coup on va se remettre en commande d'objets. Et on va commander donc du coup des trucs de topaz. Ok, donc là on va fusionner. Bah attendez, on va utiliser le truc gratos hein, clairement, parce que du coup Layla elle a quand même accumulé pas mal de points. Ah mais purée là. Ok. Tac. Non, c'est pas là. C'est là. Ok. Hop, fusion. Du coup. Donc épée de topaz, hop, on va les fusionner entre eux. Voilà. Et donc du coup, logiquement, l'épée doit être maintenant plus forte que la mienne. Gagné, ok. On perd un pont GP, ouais, c'est pas grave. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, bon bah on est bien, hein, clairement. On est très très bien. Du coup on va se téléporter à partir de l'auberge. Quoi qu'attendez, on va faire un truc avant. Attendez, là c'est le vieux. En fait je crois qu'il y avait quelque chose qui se déclenchait ici. Dans les environs. Donc ce qu'on va faire c'est quoi, sortir, re-rentrer, et comme ça on aura un boost de vitesse. Non, y a personne. Non, vous êtes sérieux là? Je donne plus, de boost de vitesse. Oh les radins, ils sont pas sérieux les mecs quoi. Putain. D'habitude on gagne un boost. Putain, c'est quoi cette ville trop calme là? Bon bah tant pis. tant pis. Bon, tant pis hein. Je vais pas les forcer à parler hein. Ok. Ah. Alors ça c'est quoi? La réponse du chef. カゴは回復できたけど、村長さんは原因は石製鋼を加工する時の毒素か。おそらくあの方は全て分かってやったのでしょう。むしろ罰を望んでるのかもね。罪を犯したからか。それが本当なら風の骨の出番はないね。これがあの方の出した答えなのでしょう。 冷たいようですが、これ以上は私たちが関わることではないと思いますわ。それでも教会には腹が立つな。天族を祀るなんて聞いて呆れる。あのマルフォってのが仕組んだならやるわね。脇役がおのくせに。けど、汚れは放ってなかった。どういう人間なんだろう。気になるよね。あいつのことは風の骨で調べてみるよ。 Ok, donc c'est parti, on va se téléporter du coup. Ici et ici. Allez, on va enfin pouvoir continuer la trame principale. Oh là là, ça va être tellement bon ça. Oh là là. Allez, viens là, petit con là. Heldalfが苦しみや痛みを持ってるのは分かった。まるで。 呪いみたいだったね。なるほど。永遠の孤独に縛る呪いか。うん。あの時、かの者は私たちとの開口でスレイさんの心を殴って落ちた同志へと誘おうとしていました。ですが、後にはスレイさんに同胞にならないかと手を差し伸べてきましたわ。サイカの剣手が同志に手を差し伸べるか。あれ？ 知りたい。ヘルダルフがどうしてあんなことになったのか。けど、それはおじさんのタブーに触れるんだよね。僕らはそれがどういう意味を持ってるのか分かってない。勝手なことを言っているんだろう。だが、やっぱりダメかな。まあ、ついてきな。メビンさん、本当に。語り継ぐ物語も未来がなくなっちゃ意味がない。 Elle est toujours en train de faire chier son monde là, Layla là. Putain. Toujours en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues là. Saleté là. T'es sûr hein? Bah oui, t'es sûr là-haut. Ils veulent tout déballer là-haut. Heureusement que ce mec là c'est un sage parce que toi t'es vraiment nul.
la bouffonne. Alors, donc c'est parti, on y va. Ah, il y a un coffre en or. Ça, c'est l'appel du coffre en or. Tac. Hop. Sablier. Ok. J'aurais préféré de l'argent, clairement. Mais bon. Ok. Bloqué par un vieux rocher de merde. C'est cool. Alors, attendez. Du coup. Donc, est-ce que du coup, il n'y aurait pas un chat qui serait apparu par hasard? Comme par hasard, non? On avait déjà vérifié la fois dernière, mais bon, au cas où, hein. De temps en temps ils apparaissent, disparaissent, etc., etc. Alors du coup ici, est-ce qu'il y aurait pas un coffre? Là, ils veulent pas qu'on voit, hein, bande de salauds. Ok. Du coup, il a ouvert la porte. Ok, des écrits célestes. Ok. On sait pas lire. Oh,すげえ。こんなでっかい石碑にびっしり何か書いてある。 神代の時代のものか。初めて見るものだな。またなの？この遺跡オタクどもめ。ここは確か天意見聞録に。オッケー。この石碑は。 ただの人にとっては特に意味のない石くれだが、国威の語り部は真の機能を発動させられる。国威の語り部？国威の語り部は人、天族、兵馬、同志や最下の剣士の物語を後世に語り継ぐ者。俺はその運命を背負った一族の末裔だ。 語り部は公平であるために時代の趨勢に関わるのを禁じている。が、俺も覚悟を決めたよ。それは大地の記憶？まだ他にもあったのか？他のはともかく、こいつだけは人に見せたくなかったんでな。俺が先にいただいておいた。では、それが。そうだ。 最悪の始まりが記憶されている。お前らに最悪の始まりを体験させてやる。感じてこい。光と闇を。全員石碑に手を触れろ。そして目を閉じるんだ。 ウィスケはアスク、ワブエクファウシコイオーネム。これは答え合わせじゃない。ただ感じてこい。いいな。どうなったんだ？どこここ？見たことないとこなんだけど。最悪の始まりを体験しているんだ。 つまりここは始まりの村カムランか。ま、進んでみましょうかね。反対の反対。OK. Bon bah go. なんか人が集まってる。本当だ。将軍。 こんな生活をいつまで続けさせるつもりだ。ハイランドの信仰から守っているのだ。むしろ感謝してほしいのだがな。どうしよう。え？この人が先代の同志？あなたがきてからの半年、こんなのは守ってるなんて言いません。軟禁です。それに、ハイランド王国が動き出したのも、あんたたちローラン軍がこの村を接収したからだろう。 聞こえてないみたい。あくまで大地の記憶が見せてるものですもの。この村の戦略的価値を同志の起こした村というだけで看過できはしない。それはどの国でも同じことよ。時間の問題だったと。ハイランドの青きバルキニーの台頭ぶりを思えばな。もういい。言ってくれ。ミケル様。
いいんですか、このままで。あいつら、マオテラス様の神殿まで砦みたいにしちまったんですよ。どれだけ天族を冒涜すれば気が済むんだ。兄さん。ミューズ、案ずるな。カムランは確かに北の国境線としては重要な位置にある。ここを押さえたら両国とも自在に首都に兵を進められる。彼らもないがしろにはしないはずだ。信じるんですか、あの将軍の言葉を。彼らがどうであれ、私たちが信じるのを忘れてはいけません。家族を持てぬ同志の我が身、みんなやミューズは私が守る。必ず。始まりの村はヘルダルフに接収されたんだな。そして戦火に巻き込まれていったんです。まあでも確かにほっとくわけないよね。ミクリオ、どうかしたか。ああ、これじゃマオテラスに悪意を向けてるも同然だな。加護が失われて当然だ。まだ先はあるだろう。神殿の方に向かおう。うん。もういい。ローランスはミケル様がマオテラス様を連れ出したことに気づいてるんじゃ。いや、ローランスとしては北の大国への牽制の意味の方が強い。海戦の名目が欲しいんだろう。馬鹿げてる。全くだわ。でもそれが人間だな。これだけはいつの時代も変わらないね。もういい。Donc, du coup, là, on est en train de voyager, hein. On apprend le passé. Doge 様の話だと、神殿が怪我されて、村の加護がなくなりつつあるって。まさか、マオテラス様が兵馬に？ Doge 様を信じよう。命に代えてもそれだけは阻止すると言ってくださってる。けどよ、Doge 様を失うぐらいなら、いっそみんなで疎開した方がいいのかもしれないぜ。ミケル様にそんなことができるわけがありませんわ。ああ、同志だからね。マオテラスを汚れの最中置き去りになんて考えもしないと思う。スレイさん。はい。こんな固い中の村が北の大国制圧の足がかりになるのなら、同志謎にいくら疎まれても安いものよ。何事だ。敵の襲撃です。北の大国が来たか。いえ、ハイランド軍のようです。なかなかに釣られぬものよ。兵をまとめろ。撤収する。反撃しないのですか。ハイランドとの小競り合いに兵を失えと。うのこっちょうよ。こうなってはこの村はただのゴミくずってことだ。撤収するぞ。伝令急げ。ありえない。村の人たちの幸せを何だと思ってんだ。この村が滅びたのはこんなくだらない理由だったのか。適正収録だ。やめろ。マオテラス様のご主人。スレイさん、干渉できないのがより虚しさを強めるよ。ヘルダルフは何をしているんだ。ヘルダルフは村を捨てて逃げた。ローランスの犬が、こんな山奥でこそこそと。C'est quoi ce berger là ? C'est quoi ce berger ? C'est quoi ce victime ? C'est quoi ce berger victime, sérieusement ? Ouais, comment ça est possible que ce soit une victime ? Muse, 神殿に急ごう。
Ouais. Mais c'est pas où le sanctuaire du coup. Oh, ça, elle va commencer à casser les couilles, elle. ミクリオさんも。すまない。ただ、結末に嫌な予感しかしないんだ。今まで知ったことを十分繋がった感じするもんね。それでも見届けなきゃいけないんだろう。行こう。 それはともかくさ、ミクリオもなんからしくない。当然ね。あの子じゃなくても気づくもん。だな。それが嫌な結末につながってるなら、なおさらってやつ。みんなも感じてたんだ。ミクリオと同志兄弟が似てるって。行きましょう。もうすぐすべてわかります。 Ok, donc en gros il dit que le berger, enfin le Nicléon et Muse, la fille là, se ressemblent beaucoup. Ok. Le petit. Oh non! が失われた。マオテラスは氷魔と化し、この子もう一人の男がくだらぬ野心のせいで。兄さん、待って。やめて、お願い。兄さん、この最悪をもたらした者に。 永遠の孤独を。エルダル、自らが生み出した地獄を背負え。こんな答えになってしまったよ。止まれ。 この撤退を予見していたか。青きバルキニーの陛下。落雷だと、諸君。ヘルダルフ、覚悟。うお。 Ouais, donc en gros il l'a maudit et du coup ça l'a rendu immortel. Ouais. Après une malédiction comme ça, être immortel, moi je suis pour. Clairement. Igeneko wa hyouma ni nattan janai. Hyouma ni saserareta no ne. Shikamo saikyou no jusou o kakerareta mono toshite. Sonde sore o yatta no ga Sendai Toshi. それじゃ、僕は。ここは広場あたり？終わらないのはまだ先があるってことね。まだあるのか。
ミクリオ。そろそろ全部だろう。ちゃっちゃと見て帰ろうじゃないの。まあ。めっちゃへこんじゃったっぽい？そりゃ、な。なんかごめんね。私そんなへこんでなくてさ。そんなの気にすることじゃないだろ。仲間がへこんでる時に自分がへこんでないのって、やっぱ私なんか抜けてるんじゃないかなって。ロゼ、スレイの言う通りだ。気にすることじゃない、むしろ。Salut à toi Nidog, j'espère que tu vas bien. だな、ごめん。え？俺たちこそそんな心配かけちゃってさ。もうしばらく気持ちの整理に時間はかかるが大丈夫だから安心してくれ。了解。Mouais. Bon, du coup, on doit aller où? On doit aller là-bas? Non. Non plus. Non plus. Ah. De toute façon, forcément, il y a 4 points. Donc, il y a droite, gauche, droite. Oh. このありえないほどの強大な汚れはやはり。ではマオテラスが。この災厄が影響して早産となったのであろうか。母も子も報われんの。Non, quand même, le berger, c'était pas notre père, quand même. Non. Notre père est un salopard.器の差だけのことよ。ですが、これほどの未熟児、持って数ヶ月ではかもしれんの。善来様。おお、ミューズか。何が起きた？詳しい話をしている時間はありません。汚れが伊豆地に流れる前に封じなければ。その子はセレンの身ごもっていたなんて。マオテラスをこの地に縛るため、伊豆地への道を封ずる人柱になる気じゃな。だがの、大地を器とするマオテラスじゃ、ここに留めることはできても、それは気休めに過ぎん。それでもこれは人間の、私たちが招いたことですから。同志は、同志、ついに耐えてしまうのか。かもしれんが、エニシが希望をつないだの。その子たちを同志と陪審となるよう育てるとおっしゃるのですか。人と天族の赤子が共に成長すれば、あるいはの、全てはこの子ら次第のこと。希望を確かに預かった。じいじ、ありがとうございます、善来様。さようなら、ミクリオ。私の坊や。What the fuck? Donc en fait, Mikleo serait le fils d'une truc de l'eau plus un berger, et du coup, lui, c'est juste un pélo, quoi, un autre perso, ça aurait. D'accord.
生贄だったわけだ。泣いてもいいけど。泣くわけないだろう。驚いたけど悲しいわけじゃない。マオテラスの居所も分かった。あとはどんな答えを出すかだ。ああ。で、答えは出たわけ？どうしたいかは決まった。それが答えって言えるのかは分からないけど。では、メイビンさんにも聞いていただきましょう。見当たらないよ。ついさっきまで石碑の機能を発動させてたんだ。そのあたりにいるだろう。そうだな、探そう。それにしてもこの石碑、どういう仕組みで大地の記憶を再生してるんだろう。ここが地脈が吹き出す場所だからじゃね。地脈？ややこしい説明は地の天族様にお任せ。地脈は大地に流れる自然そのものの力よ。そう、ローグリンは大昔から地脈が強く交わってる場所なんだよな。知ってるなら言わせないで。言わせたくなっちゃうのよ、可愛い子には。なるほどな。その地脈に大地の記憶が反応してるってことか。もっと分かりやすくプリーズ。例えるとここから水が噴き出してる。大地の記憶は水車みたいなもの。水車が回ると小麦を引くみたいに記憶が再生される仕掛けって感じかな。オッケー、納得。けど、なんで大地の。moi j'ai rien compris mais elle a compris, c'est tant mieux ça. それは地脈は大地に属する力って言ったでしょ。そうか。大地の記憶を作ったマオテラスが大地そのものを器にしてるなら、マオテラスの意志がそうさせてるのかもしれないな。Ouais, intéressant. Ah, donc du coup, on en a pris beaucoup quand même hein, sur le truc. Donc, oh, il y a des petits coffres là, donc on va se les prendre tout de suite. Hop, ouais. Comme d'hab, hein, c'est des fioles de merde, hein, comme d'habitude. Allez, de l'argent, s'il vous plaît, 10 000. Allez, on veut juste de l'argent. Je m'en fous, moi, de vos fioles de merde. Alors, chaussures de marche militaire. Oh là là. Bon, alors, du coup, voyons voir ce que c'est. Ouais, ça a l'air d'être assez pourri quand même. Hein. Donc c'est pour qui? C'est pour tous les persos de type masculin, ok. Alors donc du coup on va mettre ça sur... Non, pas sur lui. On va peut-être mettre ça sur lui. Ah non, en fait c'est pour les tanks. Ok, ok. Bon ben ouais, du coup, tant pis. Hein. Ok, bon bah tant pis. Hop. Ça dégage. Ok. Donc, du coup, les gens, je vais faire une petite pause vite fait. Et après, je vais reprendre sûrement le live. Donc, d'abord, on écoute tout ce qu'ils ont à dire, hein, clairement. Et ensuite, je ferai une petite pause d'à peu près 10 minutes. Hein, ou 5. Ouais, 5 minutes plutôt. De 5 minutes, et après, je reviendrai, du coup, pour la suite. あの人の友達でもないと納得しないんじゃないかな。あ、彼の。toute personne qui serait intéressée, n'hésitez pas à rejoindre le chat de Home Station ou de Twitch ou de Dailymotion ou bien de Hitbox. 彼がかけた永遠の孤独という呪いは、ヒゲ猫に最下の剣士としての道を開いてしまった。ヒゲ猫はもともと世を憎んでたり、兵馬の世界にしようとしたわけじゃないのに。ハイランド。ローランス両方ともあれを見る限り下道って見えちゃうけど、きっと根底にあるのは地獄の安定なんだろうし。先代同士がマオテラスを連れ去ったことを秘密にしてたのも悪い結果につないでる。結果として何も知らない奴らにいいように暴れられて、マオテラスは氷魔になっちまった。そうだな。話してればもっと理解や協力を得られたかもしれない。先代同士は自分の身内と言えるものしか信用してなかったとも取れる。共になくとも先代同士を信じていた者にとってこれほど傷つくこともないだろう。そうですわね。あのお方が
純粋にみんなの幸せを願っていたとしても伝わらなければ、先代同士がどうであってもヘルダルフがひどいことしたってのも変わんないよ。自分の野心のために他人を踏みつけるなんてまとまらないな。さすがにメイビンはただ感じてこいって言ってた。感じたことをそのまま伝えるよ。Ok, ok, bah on fera ça après la pause, ma poule, hein. Donc du coup, oh, attendez, on prend ça là, hop, voilà, hop, on fait une petite save ici, même si du coup je vais revenir, hein. Donc du coup je fais une petite pause, donc je vous laisse un petit écran d'attente en attendant, et moi je vous dis à tout de suite les gens.